Chaque semaine, l'actualité ludique, c'est les Fini News. Les nouveautés. Chronologique est une nouvelle collection de trois jeux autonomes qui vous invitent à explorer et enquêter dans des époques différentes. Dans ce premier volet, Paris 1920, remontez le temps pour investiguer dans la ville des Lumières durant les années folles, où vous tenterez de démêler une série d'affaires inexpliquées à l'Opéra de Paris. Bienvenue à la cour! Pour obtenir les faveurs de la reine, vous devrez placer vos courtisans dans la lumière et tout faire pour éviter qu'ils tombent dans la disgrâce. Manœuvres, assassinats, espionnage, tous les coups sont permis pour mettre en avant vos favoris ou pour faire échouer les plans de vos adversaires. Dans ce jeu de placement de tuiles, vous devrez construire une communauté en utilisant les vestiges du passé et ériger des bâtiments pour la faire prospérer. Choisissez judicieusement vos tuiles, agencez-les stratégiquement pour marquer un maximum de points en fin de partie. Sort également cette semaine, Ahoy ! Kintsugi, Tanuki et une bouteille d'autre. Bientôt disponible ! Plongez dans l'industrie cinématographique florissante du Hollywood des années 40 et tentez de débusquer les communistes qui tentent de glisser de la propagande dans vos films. Déduction, rôle caché et petits secrets composent le mélange de ce jeu tout en technicolor. En duel, en équipe et en solo, Feralis vous propose d'incarner un dieu cryptique et de prendre l'ascendant sur vos adversaires en faisant muter des créatures et en les utilisant contre d'autres divinités. Un jeu sombre et brutal qui plaira aux joueurs aventuriers et sans pitié. Dans ce jeu à mi-chemin entre prise de risque, stop ou encore et jeu de chance, votre but du jeu sera de récupérer un maximum de tuiles en appliquant les bons pouvoirs au bon moment. Dans Littoral, à vous de créer votre côte avec les éléments que la mer vous envoie, c'est beau et malin. Quoi de neuf sur le blog ? En tant que joueurs invétérés, nous avons tous nos habitudes. Dans le cadre d'une série d'articles sur nos pratiques de joueurs, nous vous sollicitons pour recueillir votre expérience. L'occasion de rire, discuter et finalement consigner nos usages de passionnés de jeu. Pour ce premier volet, attaquons-nous à la protection des cartes. Alors, to sleeve or not to sleeve, telle est la question. Les Fini News, c'est terminé. À la semaine prochaine et jouez les amis, jouez !